Merci à tout le monde d'être venu au premier colloque international sur l'art en visuel. Il y aura beaucoup d'intervenants aujourd'hui. Tout le monde ne sera pas là en présentiel pour différentes raisons. Il y aura plusieurs vidéos et moi je vais faire deux présentations de deux artistes qui ne sont pas là. Véronique Hébert qui a le Covid et Elisa Volati qui est à Milan. En deux mots, ce colloque a été créé à l'initiative de Corinna Chuteau-Mila, qui a écrit le premier ouvrage sur l'art en visuel, intitulé Esthétique de l'art en visuel, publié l'année dernière et lancé à la librairie du Palais de Tokyo. Il y a eu plusieurs réactions positives et négatives à cet ouvrage et aux idées qui sont structurées autour de cette notion d'art en visuel. Et donc Corinna, suite à ces réactions, elle s'était dit que ce serait intéressant que ces réactions constituent un matériel pour débattre d'une manière plus profonde sur l'art en visuel et le faire connaître et circuler au-delà même de ce livre fondamental. Voilà, donc Corinna, peut-être dire un mot. Bonjour à tous et merci beaucoup d'être présents. Merci à ceux qui ont fait l'effort de voyager pour être avec nous ce soir. Et comme Alexandre le disait, cette initiative a commencé à partir du lancement du livre. Il y a eu beaucoup de réactions, certaines agressives, certaines négatives. Certaines positives, bien évidemment, mais on retient toujours celles qui sont négatives et un peu violentes. Et j'ai éprouvé le besoin de donner une suite, de faire connaître davantage l'art invisuel et surtout de l'expliquer. Parce que je pense que c'était ça le problème principal qu'on avait rencontré lors du lancement du livre. Il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés à la couverture de l'ouvrage sans souhaiter en savoir davantage. Et c'était l'objectif principal de ce colloque, de donner la parole à des artistes, à des chercheurs, à des historiens d'art, pour que chacun puisse montrer son point de vue, sa démarche et sa pratique artistique, et pour faire connaître encore plus et faire rayonner l'art invisuel.